بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de notre islam, de ce que devrait être notre islam, en le conceptualisant presque, et en parlant d'un concept beaucoup plus que d'une religion, puisque nous sommes dans un mode de vie qui se choisit et qui s'opère selon des normes, selon ce que Dieu souhaite et non ce que l'être humain souhaite, nous avons, en parlant des vocations primaires du culte, de certaines de nos obligations religieuses, nous avons normalement démontré que ceci, tout cela visait à faire de nous des êtres humains qui méritent ce titre d'être humain. Et à partir de là, qui vont se distinguer de tout ce que Dieu a créé et vont mériter justement cet honneur divin, là où Dieu dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ » Nous avons en fait honoré les fils d'Adam, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » Nous les avons transportés sur terre et pas à travers les mers. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Et nous les avons nettement choisis par rapport à bon nombre de nos créatures. Donc là, nous allons tomber, nous ne pouvons plus rester dans la religion, mais nous allons beaucoup plus aller vers ce que nous appelons la religiosité. La religiosité, c'est quoi? C'est ce qui caractérise le religieux. Nous avons parlé de religion, c'est din en langue arabe. Là, nous allons parler de tadayyun, c'est-à-dire de cette manière dont nous allons aborder le culte. Parmi les règles que nous enseigne l'islam, le véritable islam, c'est que la première des choses, c'est le respect scrupuleux de ce qui a été ordonné et commandé par Dieu. Et là encore, nous avons, tel que l'islam nous est enseigné, nous sommes dans des logiques, ou dans des dynamiques qui sont d'ordre purement sociétal, qui vont aller au-delà de ce qui est religieux, du moins selon la conception que peut avoir toute cette humanité de la religion. Normalement, un musulman ne voit pas sa religion comme un juif verrait sa religion. Si vous étudiez un livre comme Kitab Samuel ou bien Risal al-Sab'iniya, deux livres qui ont été écrits par deux grands rabbins juifs, l'un d'eux a dit, les deux sont d'accord que la religion juive, elle est obsolète. Vous savez que si l'on se fie aux lois lévites ou bien aux Deutéronomes et à certaines lois du Talmud, pour se repentir de certains péchés, ça pourrait prendre toute une vie. Quand bien même il y a à l'heure actuelle des fatawa émanant de grands rabbins qui ont tendance à alléger un peu les choses. Mais en réalité, la religion juive, quand on l'étudie, c'est une religion qui est vraiment obsolète. Elle ne sert absolument à rien. D'un autre côté, elle est essentiellement technique. Et puis, le tadayyun, la religiosité, ou bien la manière d'aborder le culte, elle se forge sur des principes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est, avec la vision que l'on pourrait avoir de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour exalter, pour glorifier, honorer le peuple d'Israël, le Dieu unique est le Dieu du peuple d'Israël, la gloire c'est celle du peuple d'Israël, d'ailleurs même les fêtes religieuses chez les Juifs, elles n'ont tendance qu'à jouer justement sur des points d'histoire ayant pour but de donner une image. Elle peut être grandiose comme elle peut être celle de la grande victime du peuple d'Israël, pas plus ni moins. Et donc, nous ne sommes pas dans quelque chose qui forge l'esprit, nous sommes dans quelque chose qui va scléroser l'esprit. Et beaucoup de grands commentateurs de la Bible hébraïque, surtout à partir du XVIIIe siècle, ont fait des études critiques sur cette religion. Et beaucoup ont parlé de livres cachés, les livres apocryphes,
Le mot apocryphe peut revêtir deux sens. Ça peut être un livre que nous considérons, si nous nous fions à un langage purement islamique, qui est celui des spécialistes de la tradition prophétique, Ashab al-Ruwat al-Hadith, on pourrait considérer un apocryphe comme étant un da'if, un livre qui ne jouit pas d'une consistance avérée, qui puisse lui donner une certaine authenticité, comme on peut qualifier d'apocryphe un livre caché. Et nous savons que chez les Juifs, il y a une science qui est celle du commun des Juifs, mais il y a une science qui est réservée à une élite. Et par exemple, quand on lit le Deutéronome « Tu ne tueras point », un certain Pasquelli nous dit que chez les Juifs, ou du moins chez leur élite, les ultra-orthodoxes, comme on les appelle actuellement, « tu ne tueras point », on met entre parenthèses le Juif, ce qui veut dire qu'on a le droit de tuer d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que ces goïms, ces akoums qui ne sont pas juifs, leur vie, elle n'est pas aussi précieuse que celle des Juifs. Par exemple. Et ça, c'est une réalité que nous voyons avec ce que subissent nos frères palestiniens à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui a tendance à se confirmer. Quand on étudie la religion chrétienne, après Paul de Tarse, c'est devenu, est-ce qu'on peut le dire comme ça, une foi sans loi. C'est-à-dire, on est embarqué dans un système religieux où la pratique religieuse n'existe pas. Tout se fait au niveau du cœur. Très facile d'être religieux dans ce sens. Mais est-ce réellement une religion? Je ne pense pas que cela puisse avoir quoi que ce soit avec ce qui a été initié par Jésus alayhi salam, qui, comme tout le monde le sait, et ça faisait unanimité juste après l'élévation de Jésus alayhi salam, et des églises unitaristes existent jusqu'à présent, c'était le christianisme primitif est un christianisme qui se fiait ou qui avait pour loi la Torah de Moïse alayhi salam, pas plus ni moins. Donc maintenant, quand on vient nous dire que non, tout cela a été abrogé, par qui cela a-t-il été abrogé? Donc la religiosité ici pose problème. Est-ce que ces gens-là sont religieux pour Dieu ou est-ce qu'ils sont religieux selon ce qui a été déterminé par des humains comme eux? La religiosité maintenant, chez nous les musulmans, elle ne se fait pas de cette manière. Elle se fait selon ce qui est voulu par Dieu et non selon ce qui est souhaité par l'être humain. Cependant, elle prend en considération un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres. Le premier est que cette religion est une religion qui est en parfaite harmonie avec l'inéité. L'inéité, c'est quoi? Ce mot se traduit en langue arabe par « fitra ». Ça veut dire « nature primordiale », une nature selon laquelle Dieu a créé les êtres humains. Et là, permettez-moi d'ouvrir, de faire une petite digression, d'ouvrir des parenthèses. Cette notion de nature et de naturel, elle est très très importante dans la religion musulmane. Parce que si Dieu nous a rendu obligatoire le fait d'accomplir par exemple 5 prières par jour, au lieu de 50 comme c'était le cas initialement, du moins selon ce que nous savons suite à Hadith l'Isra ou le Mi'raj, ces 5 prières sont parfaitement, il est dans le pouvoir de chacun d'entre nous de les pratiquer. Elles sont faisables. Ça n'est pas quelque chose qui pourrait dépasser les capacités d'un être humain. Pour peu qu'on veuille le faire, on peut le faire. La religion, donc, est censée être en harmonie avec l'inéité de l'être humain. Elle ne va pas le mettre dans la gêne, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan dogmatique. Nous n'avons rien sur le plan dogmatique, min jihatil aqa'id, qui pourrait s'expliquer par le mystère. Il y a une simplicité, il y a quelque chose d'assez rationnel qui nous permet d'arriver à comprendre bon nombre de choses sans faire trop de gymnastique mentale. Et donc,
du fait qu'elle soit en harmonie, en adéquation avec cette innéité, cette religion, elle est tout à fait, on va dire, plausible, praticable. Et l'être humain doit, normalement, un bon religieux, devrait prendre en considération le fait que Dieu ait pris cela en considération pour prendre en considération aussi la capacité des autres à pouvoir mettre en pratique un certain nombre de commandements divins. Parce que là où l'on ne peut pas mettre en pratique justement des commandements divins, même si l'on est forcé par moment d'avoir recours à quelque chose d'interdit, l'interdit ne devient pas licite, mais il y a tout simplement une levée temporaire de l'interdit pour permettre à un être humain, quel qu'il soit, à un adorateur de Dieu, d'avoir justement ce passe-droit pour ne pas rompre une harmonie générale que la religion aussi tente à préserver et que nous appelons les maqasid al-khams, ou les cinq vocations majeures de la révélation, qui sont la préservation de la foi, de la vie, de la raison, de la dignité et des biens matériels. Nous avons des versets du Coran qui nous disent que bien que la charogne, ou bien le sang répandu, ou la bête qui a été immolée, on nous montre autre que Dieu, nous sont interdits. Si vraiment nous sommes dans, s'il y a risque de perdre la vie, à moins de consommer ce qui est impur en temps normal, eh bien on peut le consommer, tout simplement. Nous avons deux versets dans le Coran qui parlent de tout cela, et nous avons tout un esprit de la tradition islamique, Coran et tradition prophétique incorporée, qui nous disent cela. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons lors de notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous dis astaghfirukum Allah alladhi la tadi'u wada'ihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.